Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question de savoir ce que les autres, ceux qui ne sont pas Congolais, pensent de nous. Tout être humain est appelé chaque fois à s'améliorer. Et pour s'améliorer, il n'est pas mauvais de temps en temps d'entendre de la bouche des autres ce qu'ils pensent de vous. C'est une question importante, je pense. Il ne faut pas se cacher les vérités. Qu'est-ce que les autres pensent de nous? Déjà, peut-être, vous qui avez voyagé, ou vous qui avez rencontré des étrangers ici même, pouvez-vous déjà commencer à répondre à cette question? Vous l'avez vu, j'ai comme invité Mobimba Shimba. Mobimba Shimba, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, Kibambe Chintoa. Ça fait longtemps que je ne vous ai plus accueilli. Je suis donc très heureux que vous soyez des nôtres aujourd'hui. Moi aussi. Deuxième invité, Modeste Bonigaba, compagnon fidèle. Mobimba Shimba, Modeste Bonigaba, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, Monsieur Kibambi. Alors, Mobimba, qui nous a proposé ce sujet, a eu raison. Alors, on va lui donner la parole pour qu'il ouvre les débats. Vous êtes souvent promené à l'extérieur, en France, en Belgique et ailleurs. Qu'est-ce que vous avez entendu les autres dire de nous, Mobimba Shimba? Ah, ok. Merci, Kibambi. Bon, c'est ce que l'on dit des Congolais. Je ne l'ai pas seulement entendu à l'étranger, même ici, c'est-à-dire les étrangers qui vivent avec nous, ce qu'ils disent de nous. Je vais juste donner un exemple, mais qui n'est pas un exemple heureux celui-là, parce qu'il ne faut pas qu'on bifurque pour aller ailleurs. Et c'était le point de vue d'un Américain qui disait que lui ne parlait pas seulement des Congolais, mais il parlait même des Bantous. Que ce sont... Ils sont des gens gentils, heureux, bien accueillants, mais seulement ce sont des paresseux, des jouisseurs, des alcooliques, qui sont autour du sexe, et puis la danse et la musique, c'est tout. Ce sont des paresseux qui ne travaillent pas, ne savent pas travailler, ne savent pas se projeter dans l'avenir. Et que d'ailleurs, un Belge, il dit, c'est américain, d'ailleurs un Belge, les Belges nous ont confirmé cela en disant que si le roi Léopold II coupait les mains, aux Congolais, c'est parce qu'ils étaient des paresseux. Pour pas travailler, pour leur faire peur, il faut couper les mains. Donc c'était pas un problème parce qu'on était méchants, non, non, parce qu'il fallait les réveiller pour qu'ils travaillent. Il n'y avait pas que les mains, il y avait aussi le fouet. Oui, les fouets. Si on les fouettait, on les coupait les mains, c'est parce que c'était des paresseux, il fallait les stimuler à travailler. Et tout ça, j'ai entendu également, par exemple, d'un ami en Belgique qui dit que ici, quand tu es pas seulement à Matongé, le quartier Matongé de Bruxelles, mais dans l'autre quartier, tu rencontres des Africains. Tu rencontres les Africains et pour vous identifier les Congolais, tu verras, il a les pantalons jusqu'aux côtes là-bas. Et puis quand il parle, c'est comme s'il parlait à quelqu'un qui est à 100 mètres. Alors que c'est celui qui parle avec lui. Et même au restaurant, ils font des bruits. Quand il y a beaucoup de bruits dans un restaurant, vous saurez que ce sont des Congolais et ce ne sont pas les autres Africains. Ainsi de suite. Il y a également ce que l'on, de plus en plus maintenant, on parle du manque de conscience historique.
que les Congolais n'ont pas la conscience historique. Ils ne connaissent même pas d'abord son histoire, parce que la preuve en est que ça n'a jamais gêné quelqu'un qu'après 60 ans d'indépendance, on n'enseigne même pas l'histoire dans nos écoles, et ça ne gêne personne, du dirigeant jusqu'au simple citoyen comme moi. On n'enseigne pas l'histoire. L'histoire du Congo ne gêne nulle part. Et que, par conséquent, si vous ignorez votre histoire, vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas vous projeter dans l'avenir. Et que, bon, on reproche également aux Congolais les... Vous ne pouvez pas retenir quelques faits. Comme ça, on commente déjà ce que vous avez... Maintenant, on va illustrer. Oui, parce que si vous terminez tout... Il faut garder quelques cartouches. Hein? Alors, Modeste Boligaba, c'est vrai, est-ce que il y a du vrai, il y a de l'exagéré, des stéréotypes contiennent des vérités comme des exagérations. Et si on commentait ce que vient de nous dire notre ami Achimba, qu'est-ce qu'il y a à rejeter, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Ben, je crois que la chose qui explique tout le reste, d'ailleurs, je crois, c'est ce manque de conscience historique. Parce que quelqu'un... qui ne sait pas d'où il vient. Il ne sait pas d'où il vient. Il est perdu. Il est un peu comme ça. Il est amené à être comme on l'a justement décrit là-bas. Parce que quand on a conscience de d'où l'on vient, et donc... On peut voir les enjeux qu'il y a au présent et qu'il faut donc il faut relever les défis pour aller de l'avant. Donc on sent que celui-là sait où il va. Et quelqu'un qui sait là où il va, il a un certain comportement que justement le Congolais n'a pas. Le Congolais donne l'impression d'être là... D'abord, c'est au jour le jour. Et donc... Et au taux du jour. Au taux du jour. Ce n'est pas quelqu'un qui se soucie de... Mais voilà justement ce qu'on est en train de... Comment les autres me perçoivent. Et puis, moi, le Congo, que Frantz Fanon a défini comme le lieu où il y a la gâchette pour que l'Afrique prenne son envol. Qu'est-ce que je fais pour effectivement jouer ce rôle-là? On sent que ce n'est pas son souci. Donc, il est là, il danse, il boit, et tout ça. Donc, il est vraiment... Il s'amuse. Superficiel. Et ça, si on continue comme ça, manifestement, on risque de disparaître comme... société, comme nation qui a un devoir de leadership à assumer. Oui, mais vous savez, j'avais remis une copie de Profondeur à un ami haïtien. Je crois qu'à vous, j'avais raconté ça. Bon, il travaillait à la MONUC à l'époque. C'était pas encore la MONUSCO. Ben, il va chez lui et puis il projette l'émission. Ben, ceux qui ont suivi disent, oh, mais ces gens, ils réfléchissent comme ça. Il y a aussi des gens qui réfléchissent comme ça. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Ah non, nous, on pensait que c'est seulement la musique, c'est seulement la danse, l'alcool, les belles femmes. Il y a donc des gens qui réfléchissent comme ça. L'autre leur dit, mais enfin, il y a des intellectuels. C'est comme pour confirmer ce que notre ami venait de dire. Quand on parle de parler à haute voix, vous savez, un jour, j'étais à Paris en formation, je restais en banlieue. Et un jour, une de mes copines, elle dit, vous savez, cette chambre-là, dans cette chambre-là, vers 17h, les gens se bagarrent. Oh, je dis non.
Mais c'est la chambre de Manvidi, là, je crois. Les gens se bagarrent tous les jours. Alors, on ne comprend pas comment on se bagarre. On peut quand même arrêter un jour. Alors, je vérifie. Non, le problème n'était pas celui-là. C'est-à-dire, on mettait la musique. Et la musique était tellement au maximum qu'alors, pour se comprendre, il fallait crier. J'ai confirmé que dans cette chambre, effectivement, à cette heure-là, tu vois, tout le monde vient des cours, on se détend, et la musique est au paroxysme, et les voix, ça, ce sont des aïrois, vous disait-il. Donc, comme pour confirmer, est-ce qu'on n'exagère pas un peu, Au fait, ce n'est pas l'exagération. Enfin, on exagère aussi. C'est-à-dire qu'il y a un trait, quand il y a un trait de caractère chez un peuple, chez une communauté, un trait qui est dominant, et si on veut vous stigmatiser, c'est ce trait-là qu'on prend, on le généralise, et on l'applique sur l'ensemble de la communauté, sans distinction. Parce qu'il y a aussi, évidemment, la part de la stigmatisation. Du stéréotype, parce que bon, on considère comme, etc. En fait, chacun de nous, c'est comme ça. Même entre à l'intérieur du Congo, entre différentes tribus, il y a une stigmatisation de ces gens-là. Et surtout quand il y a une communauté qui a essayé de s'affirmer par le passé en faisant ceci ou cela, cela a suscité parfois des jalousies. Et alors les autres, ils vont vous qualifier, ils sont comme ceci, ils sont comme ça. Oui, c'est comme nous, à un moment, après une visite d'une grande délégation à Dakar, lors d'un sommet franco-africain, ben, on nous donne un chauffeur qui parle pas un traître monde français. Et nous constatons que à Dakar, il y a des très grands intellectuels et des gens qui sont très très faibles, en fait qui n'ont pas été à l'école. Alors, comme il y a des Senghor, il y a des Diouf et tout ce monde-là, les Sénégalais sont connus pour leur... Il y a des gens, on dit, mais comment on nous donne un chauffeur avec lequel on ne peut pas échanger? Donc, on a qualifié nos amis sénégalais, on les a catégorisés comme ça. C'est peut-être exagéré, mais c'est vrai, quand vous êtes du protocole et que vous confiez à une délégation officielle un chauffeur qui ne comprend rien, ça devient très, très compliqué. Alors, il y a d'autres... Oui. Il y a d'autres défauts qui sont... Il y a d'autres défauts. Qui nous sont attribués. Et de plus en plus... Ça, je ne l'entendais pas avant les années 80, avant les années 90, 90, mais c'est de plus en plus maintenant, après les années 90, c'est la corruption. Que vraiment la corruption, que les Congolais sont corrompus de la tête aux pieds et jusqu'à l'ADN, la corruption. Et on pense même, les gens pensent que c'est difficile de trouver quelqu'un qui n'est pas corrompu, qui n'est pas corruptible. Alors, c'est la corruption. Et il y a un autre trait. Et là, j'ai l'impression même aussi que c'est difficile à se défendre. Le manque de sens de maintenance et d'entretien. Maintenir et entretenir. On sait construire. Mais on ne sait pas maintenir et entretenir. Il y a des maisons, par exemple, à Kinshasa, ici, dans toutes les villes, parce que les gens ont l'argent. L'argent, d'ailleurs, facile, qu'on attrape facilement par les moyens de la corruption. Hein. Et on construit des maisons. Vous allez voir, d'ici 15, 20 ans, toutes ces maisons-là, délabrées complètement. Parce que la maintenance et l'entretien ne suivent pas. Soit c'est un trait de caractère de la race noire, non? Oh, mais
En tout cas, il semble que c'est le propre de, je ne sais pas si c'est lié à la race noire, mais au moins on calque ça sur le Congolais. Ça dit qu'ils sont noirs, ils sont bantous, ils sont tout ce que tu veux. Mais là, l'entretien et la maintenance. Regardez par exemple, moi chaque matin, je fais une marche et je passe sur la passerelle qui est chez nous à la 7e rue là. Mais cette passerelle, elle est en train de se détruire. Tu ne sais même pas qui a conçu et pourquoi. Parce que les gens, les piétons, ils ne montent pas sur la passerelle pour aller de l'autre côté. Ils sont là en train de faufiler entre des voitures et des motos. Mais la passerelle, là, elle est là. Et la passerelle, là, on a mis des plaques comme ça pour mieux passer. On démonte ça, les gens démontent pour amener ça chez eux. Et tu vois, il y a en bas, on avait conçu, on a mis des vitres, des fenêtres, des trucs comme ça. On a démonté toutes ces fenêtres-là. On démonte, tu démontes une vitre avec une porte, une fenêtre, tu vas avec ça chez toi. Et on regarde comme ça, il n'y a personne qui fait quoi que ce soit avec ça. Non, c'est terrible. Et ça, ce n'est pas seulement ça. Quand vous regardez, par exemple, des immeubles qui sont construits ici, même les immeubles laissés par la colonie, tout, les gens sont là. Ben oui. Mais vous regardez parfois, on est emballé quand même. On est emballé là où les gens viennent. Mais va jeter le coup de derrière, là où il y a un coin. C'est complètement sale, il y a des couches. Oui, c'est ça quand même. Quand nous regardons par exemple autour du Royal, il y avait un grand deuil là-bas. Nous avons déploré qu'on ne puisse pas penser, ne serait-ce que, à rafraîchir les murs. Les murs sont sales. Ce sont les maisons de l'État. Moi-même, j'ai habité le Royal. Mais quand après, on nous a mis dehors et qu'on a rafraîchi, c'est devenu pratiquement un paradis. Non, c'est vrai. Et est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont reçu des voitures pimpant neuves qui les ont abîmées parce qu'ils n'ont jamais entretenu? C'est ça. Le moteur a fini par caler. Parce que il attend que le jour où il y a quelque chose qui tombe en panne ou qui est cassé, il voit que c'est cassé, là, il ne peut pas se déplacer. On arrange juste cela. Alors qu'une voiture, il faut l'entretenir, suivre les kilométrages. Voilà. Et il faut prévenir qu'il y a ça, on n'a pas entretenu, il y a souci, le carburant n'est pas là, qu'on le mette. Il reste combien? 2 balles. On va aller voir après. Et puis on fait une panne sèche, et une panne sèche entraîne d'autres pannes. Nous ne sommes pas en train de nous auto-flageller. Nous sommes en train de remettre au goût du jour ce que les gens pensent de nous afin que nous puissions, si c'est possible, et c'est vrai que c'est possible, que nous puissions changer. Vous aviez une petite histoire à me raconter, à nous raconter, à raconter aux téléspectateurs. Oui, c'est d'abord pour dire que l'étranger ne peut pas vous dire en face ce qu'il pense de vous. C'est rare d'avoir quelqu'un qui pense, qui va vous le dire en face. C'est quand il vous confond avec un non-congolais qui va vous dire, mais les Congolais sont quand même un peu... Parce qu'ils croient que vous ne l'êtes pas. Oui. C'est l'expérience que j'ai vécue. Je me suis retrouvé, c'était à Belgrade, en Yougoslavie, à l'époque, c'était encore un seul pays. Et je représentais mon organisation qui était basée à Kinshasa, mais qui était une organisation régionale. Donc, en tant que fonctionnaire dans cette organisation, je pouvais ne pas mettre la bakos tout le temps. Donc, à ce moment-là, je mettais une veste sans cravate. Ce qui fait que les amis qui venaient des autres pays africains ont cru que j'étais pas congolais, parce que, justement, l'aspect typique du congolais, c'était la bakos. Ouais. Alors, pendant tout le temps qu'on était là... On parlait de tout et de rien. Mais la veille de mon départ, parce que moi je suis parti avant la fin des travaux,
C'était un peu maintenant qu'il voulait se confier à moi, parce que c'était le dernier jour. Il me dit, mais... Donc vous, vous êtes là au Zaïre. Déjà par sa question, j'ai compris que il se demandait si j'étais Zaïrois ou pas. Je lui ai dit, bon, je vais le laisser dans cette confusion-là. Je ne lui dirai pas que je suis Zaïrois. Je lui ai dit, oui, je suis au Zaïre. Alors, comment ça se passe avec les Zaïrois? Je lui ai dit, ben, ça se passe bien. Pourquoi voudriez-vous que ça se passe mal? Il dit, non, parce que moi, quand je regarde ces Zaïrois-là, je me dis, mais pas de rigueur, pas de... Donc, on sent qu'ils sont légers. Et je ne sais pas comment on peut vivre avec des gens comme ça, parce que c'est vraiment... N'importe quoi. Quelque chose qui m'a... J'ai dit, c'est Lucie, s'il savait que moi j'étais Zaïrois, n'aurait jamais osé me dire ça en face. Oui, oui, tout à fait. Donc, manifestement... Nous avons, je crois, déçu les restes des Africains. Je crois que nous étions, au début des indépendances, le pays qui suscitait beaucoup d'espoir. Les gens se disaient, avec ce Congo-là, nous irons loin. Ce n'est pas pour rien que Frantz Fanon a écrit son livre pour dire que la gâchette se trouve ici. Tous les Tchèques-Katadiop, tout le monde misait sur le Congo. Ce qui fait qu'au fil des années... On s'est dit, mais malheureusement, nous n'avons pas pris le bon départ. Tout à fait. Et nous avons intérêt à changer cette image. Et voilà, par exemple, du côté de la Banque centrale, il y a des choses vraiment à reprocher à cet institut, de cette institution. Ben, chaque fois qu'il y a une mission à l'extérieur, les frais de mission sortent toujours en retard. Si bien que la plupart des délégations congolaises arrivent en retard dans les instances internationales, si pas à la fin. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas normal. Et même alors, allons plus loin. Chaque fois qu'il y a une mission, c'est tout le monde qui veut y aller, même s'il n'est pas spécialiste dans le domaine de cette mission. Pourquoi? Parce que on est pauvre et comme tout le monde cherche à avoir de l'argent, c'est l'occasion pour avoir de l'argent et acheter les biens pour l'ensemble de la famille. Je crois que du côté de la Banque centrale, ou même du côté de l'organisation tout simplement, il y a des missions qui ne valent pas la peine parce que ne profitant pas au pays et que l'argent sorte avant pour que les délégations arrivent à temps. Et même, et ça c'est Manara qui nous l'avait raconté, quand nous arrivons dans des conférences, on ne respecte pas les heures. Quelqu'un qui est attendu pour parler à midi, il arrive à 14h, il commence son laus sans même se donner la peine de demander pardon, de s'excuser pour le retard. Il faudrait vraiment que nous changions, que nous fassions des efforts pour améliorer l'image de ce pays que nous voulons beau, qui est riche et qui peut tout nous donner. N'est-ce pas, Achimba? Oui, c'est cela. Ce que les amis disent, les autres qui nous observent disent, bien sûr qu'il y a des choses qu'il faut reconnaître, qu'elles sont fondées. Il y a des choses qui sont des traits passagers, individuels, mais qu'on cherche à grossir et à plaquer sur l'ensemble de la communauté. Et ça, ce n'est pas seulement ici que ça s'est fait un peu partout, comme je venais de le dire. Mais je voulais quand même... montrer quelque chose, dire quelque chose d'autre, peut-être qui est à l'actif des Congolais. Mais nous avons fini du côté... Si, on y est. Mais à l'actif, peut-être c'est un peu tard, parce que bon... Non, parce qu'à l'actif, effectivement, il y a beaucoup de choses. Un peu tôt, mais on peut toujours revenir.
du temps colonial, jusque pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, les années 90, on qualifiait toujours les Congolais des passifs, des gens qui ne peuvent rien faire, ne peuvent pas se défendre, qui ne peuvent pas, incapables de prendre leur destin en main. Leur destin en main, etc. Comme aujourd'hui, parfois on l'a dit, et j'ai entendu là, ce ne sont pas des gens qui se mettent à... qui se projettent à l'avenir. Cette opinion a été fragilisée, une opinion qui était pourtant une opinion internationale, parce que même les Belges avaient cette opinion, mais j'ai même lu un auteur qui est belge, qui est complètement estomaqué de voir ce qui s'est passé en 1959. Surtout avec tout ce qu'on recevait. Il y avait d'abord la vente d'esclaves. Il n'y a pas eu une grande réaction contre les Congolais s'organisent pour dire que cette fois-ci ils n'oseront pas. Non, ils fouillaient tout ça. Et après, il y a la colonisation, tout ce qu'il y a eu comme la maltraitance qui a accompagné ça. Mais on ne pensait pas que le Congolais, le Belge, ne pensait pas que le Congolais pourrait se réveiller un jour. Et surtout quand le roi Baudouin est venu en 1955, il est passé partout, on l'a accueilli, Guanakitoko et tout ça. Les Belges se sont dit, oh mais on en a encore pour un siècle. En a encore pour un siècle. Mais brusquement, le 4 janvier 59, le réveil. Complètement chambardé. Par qui? Par ce même Congolais-là qu'on traitait de mou, incapable de quoi que ce soit. Ils se sont réveillés. Ils ont non seulement se sont réveillés, mais cassés. Et ils n'ont plus vu qu'il y avait une puissance devant nous. Et j'avais fait une petite étude pour qualifier cela d'une recomposition qualitative inattendue. Une recomposition qualitative. C'est-à-dire qu'on reste comme ça. À un moment donné, comme par un sursaut, on se réveille et on frappe. Ces idées-là sont parties d'abord avec la guerre de 40-45. Ceux qui sont allés comme les anciens combattants qui sont revenus, ils ont combattu, même ceux qui étaient en Europe. Ils ont vu les autres tomber, qui mouraient. Ouais, et ils venaient sur les camarades. Ils les prennent comme un camarade. Mais ceux-là, on croyait qu'ils ne mouraient même pas. Ils ne pouvaient pas avoir. Maintenant, ils me prennent comme son camarade. Je dois l'aider. Un sursaut est né. Et alors, après, ils disent non. Ces gens, ils sont simplement comme nous. Pourquoi on doit les laisser comme ça? Et tout de suite, la première chose qui avait été faite, tous les anciens combattants, là, revenir à la guerre dans le village. Ils ne pouvaient pas entrer et rester dans la ville. Sinon, ils allaient éveiller les gens. Et ce n'est même pas ce qui avait éveillé les gens en 1959, le 4 janvier. Il y a un deuxième exemple. Tout le monde, quand la dictature de la Deuxième République avait trop duré, les gens disaient, mais comment les Aïrois, ils sont si naïfs, et on peut les prendre par le bout de nous, on les tire et tout ça, mais eux, ils ne font que manger, boire, danser, mais quand est-ce qu'on peut se réveiller? Tout le monde disait, même des collègues qui travaillaient avec nous, des collègues étrangers qui travaillaient avec nous, disaient simplement comme ça. Mais quand les gens se sont dit, ils se réveillent pour organiser une conférence nationale. La conférence, on ne l'a pas commencé au Congo. C'était Mathieu Kérékou qui avait commencé. Quand on a imité, et il semble, j'ai eu des échos à Paris, que la conférence du Congo, les textes qui ont été utilisés même dans certaines universités à l'étranger, y compris au Sénégal et ailleurs. C'est une conférence qui est allée en profondeur de choses. On a trouvé qu'elle était parmi les mieux organisées, sauf qu'elle n'a pas abouti à la réconciliation nationale et au pouvoir. Mais la réflexion qui a été faite, les gens ne croyaient pas que c'était des Aïrois qui étaient capables de telles réflexions. Et en 93,
Les gens qu'on disait, ce sont des faibles, naïfs, qui ne peuvent rien faire. Paf, les pillages. Hein? Les pillages qui a eu tout, on a tout cassé. Ils n'avaient pas la réputation des Zoulous comme on voit maintenant en Afrique du Sud. Non, tout à fait. Et les Zoulous, on sait que ce sont des guerriers. Ils n'aiment pas qu'on les piétine deux fois. On les piétine deux fois. La troisième fois, même pas la deuxième fois. La deuxième fois, ils sont... Mais ces Congolais, ces Aïwans, on disait, ils ne foutent rien du tout. Quand ils se sont réveillés, le pillage, tout complètement rasé. D'accord. Le changement. Donc, montre que parfois... c'est un serpent venimeux qui dort. Ok. Mais ce qu'on on ne peut pas reprocher aux Congolais, c'est quand même d'aimer leur pays. Les Congolais aiment leur pays. Quand vous allez à l'étranger, vous le constatez, vous le remarquez, ceux qui sont restés longtemps en Europe sont nostalgiques. Chaque fois, il vous pose des questions avec nostalgie sur leur ville, sur leur vécu, sur leurs monuments. Mais il aime autrement. Parce que moi, j'avais des amis voltaïques à l'époque. Tu ne peux pas insulter le... Tu peux pas... Cette émission, on devait la faire en lingala. Voilà, nous sommes en train de la faire en français. On va terminer. Tu ne peux pas insulter le pays. Mais nous, de temps en temps, on parle du mal de nos chefs d'État. Et puis, nous appuyons, etc. Bah, c'est un peu de je t'aime moi non plus. Mais aimer le pays, l'unité de ce pays, je crois que ça caractérise le plus grand nombre de citoyens congolais, n'est-ce pas, Modeste Molinaba? Oui, c'est vrai. Mais je voudrais quand même revenir un peu sur ce que Cyril a dit concernant le réveil. Hein, donc, ils sont souvent endormis et puis paf, ils se réveillent et ça étonne tout le monde. C'est vrai que cela peut encore arriver. Mais le temps de maturation pour arriver à ça risque d'être plus long parce que par rapport à 60, le Mundele, celui qui est patron, donc c'est clair, la cible est clairement identifiée. Et qu'est-ce qui arrive en 60? En 60, il arrive que l'indépendance réelle qu'on devait avoir, on ne l'a pas eue. Pourquoi? Parce qu'on nous a mis comme une sorte de paravent. D'autres frères comme nous, Congolais comme nous, qui ont crié indépendance, alors qu'en réalité, ils n'ont pas cherché vraiment à donner un contenu à cette indépendance. Si bien qu'aujourd'hui, lorsque tu veux dire à ton compatriote congolais, mais tu vois, celui-là, là, ton compatriote congolais qui est dirigeant, mais tu crois qu'il se comporte pire que le Mundele d'hier? Ah, il dit, non, mais celui-là, c'est quand même mon frère, mon Congo, par exemple, ou bien Moulouba, ou bien ceci. Donc, il a du mal, aujourd'hui, à bien identifier celui qui le maltraite. Donc, il va falloir faire un effort énorme pour faire comprendre aux Congolais que désormais, ce n'est plus ce Mundele-là qui était devant, qui voyait, qui réprimait tout ça. Maintenant, c'est son frère congolais qui a en quelque sorte remplacé, pour continuer à l'exploiter, le Mundele d'hier. Donc, ça ne va pas arriver comme ça. Ce réveil, il va falloir vraiment travailler très fort pour bien montrer que, attention, désormais, ce n'est pas parce qu'il est ton frère de tribu qu'il est réellement de ton côté. Il peut être ton frère de tribu et être plutôt du côté de ceux-là qui continuent à exploiter. Donc c'est important
de signaler cela. Alors, évidemment, lorsqu'on regarde toutes ces choses que nous faisons, aimer le Congo, inconsciemment, ils savent que le Congo, c'est quelque chose de très important. Tout Congolais le sait. Mais maintenant, ils se demandent, mais comment se fait-il qu'un pays aussi généreux et tout ça, mais il n'arrive pas à produire ce qu'il devrait produire pour ses habitants, ses enfants. Cette question qui les bloque, se disent, mais qui est responsable de ça? Parce que il n'y a pas de raison pour que ce pays qui a tout, les dirigeants sont nos frères, mais qu'est-ce qui se passe pour que nous ne puissions pas effectivement jouir des bienfaits de ce pays que Dieu nous a donné? Allons plus loin. Mais quand vous parlez avec un certain nombre d'hommes d'affaires étrangers, les gens vous disent, il n'y a pas de Congolais qui a 300 millions de dollars. Alors, qui accumule? Mais cet argent va où? S'il n'y a pas... Nous avons fait, dans cette même émission, un numéro où nous essayons d'identifier ceux qui ont de l'argent. On ne les a pas comptés. Alors, si les Congolais n'ont pas 300 millions de dollars, ou ils les dépensent mal, ou alors au-dessus... Il y en a qui continuent à accumuler en dribblant tout le monde. Il faut se poser des questions. Tout à fait. Oui, bien sûr. Là, nous prenons déjà une autre vérification. Oui, qui est importante. Oui, ouais, elle est importante. Moi, je peux dire, bon, c'est la même question qu'on se pose pendant la Deuxième République. On avait même pointé des gens, certaines personnes qui étaient dans... les ténors du régime qui s'était même milliardaire. Et que Mobutu disait lui-même qu'il devait avoir dans le 20 milliards de dollars, je ne sais pas moi, en Suisse, ailleurs et tout ça. Il est mort, on ne les voit pas. Et ceux qui étaient avec lui, il y en a bien sûr qui ne sont pas restés pauvres. Il y en a qui ont des dizaines, si pas des centaines de maisons à Kinshasa et ailleurs et tout ça. Ils ont mis là-dedans, ils ont eu des comptes à l'étranger. Mais seulement... Qu'est-ce qu'ils font de cet argent? Même ceux qui, aujourd'hui, qui détournent des dizaines de millions de dollars, ils font quoi avec? On ne voit pas quelqu'un qui a investi cet argent dans... À moins qu'ils investissent ailleurs. Dans une industrie, dans une société qui marche, qui tourne, et qui donne de l'emploi aux Congolais, qui donne quelque chose à manger. On ne voit pas. Donc... Il y a là un problème. La corruption, d'accord. Mais regardez comment les Occidentaux qui sont allés en Amérique, ils ont pillé l'Amérique. Les Incas, les Mayas, les Aztèques, tous les Indiens d'Amérique, ils avaient de l'or, ils avaient déjà organisé. Ils ont pris tout ça, mais après ils ont dit non, on stoppe et nous nous développons. Ils se sont développés, bien sûr. On ne parle pas encore des Indiens d'Amérique, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Mais eux, ils ont fait quelque chose avec ce qu'ils ont eu là. Ici, ceux qui ont été des colonisateurs ici, ils ont fait quelque chose chez eux. Bon, ceux qui sont en train d'exploiter l'or, les coltans et tout ça à l'Est, ils bâtissent chez eux. Il y a même des usines. Des usines de transformation. Et qu'est-ce que le Congo passe? Et les Congolais, ils vont aussi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font ça. À part construire une petite case, qui est belle, bien sûr, avec 4 pentes, 5, 6. Quoi d'autre? Rien. Alors là, c'est là le problème. La corruption, on prend l'argent du trésor public. Mais pour faire quoi avec? C'est simplement pour jouir. Pour jouir, mais rien d'autre. C'est terrible. Hein? Ah. Donc il faut qu'il y ait une génération de ceux qui investissent. Une génération de ceux qui investissent. Absolument, parce que si cet argent ne sert à rien, alors c'est pire qu'avant. Bon,
Il faut un sursaut pour que nous puissions faire en sorte que les richesses que génère ce pays puissent être visibles et servir aux compatriotes qui ne demandent que de travailler. Modeste Bonir. Oui, je crois que... En fait, en 60, parce que moi, pour moi, tout part de là. En 60, nous avons naïvement cru qu'il y avait eu rupture avec un ordre ancien. Alors qu'en réalité... Cette rupture n'a pas eu lieu. Pourquoi ? Parce que d'un côté, le colonisé n'a pas intériorisé le fait que la colonisation s'était terminée. Il a continué à se comporter, en dehors des petits gestes là, un peu tout à fait anecdotiques, oui, saupoudrage, mais le comportement du Congolais restait le comportement d'un ancien colonisé. Mais le problème, c'est qu'on ne lui a pas expliqué. Et même ceux qui... On ne lui a pas expliqué, on lui a dit « Tu pourras épouser la femme du blanc, tu prendras la voiture du blanc, tu prendras le vélo du blanc. » Mais le contenu n'y était pas à l'époque. Il n'y était pas. Et même de manière pédagogique, c'était difficile. Mais justement, c'est parce que on a, ceux qui nous ont, soi-disant, donné cette indépendance... Mm-hmm. voulaient justement que ça se passe de cette façon-là. Tout à fait. Et ils ont réussi. Donc, ils ont pris nous, les gens qui étaient là en train de réclamer, ils ont identifié ceux qui étaient là juste pour justement faire jouer le rôle qu'on voulait leur faire jouer, hein, être là le mundéré de substitution. Eh bien, ça ne peut pas nous sortir de là où nous sommes. Donc, nous devons effectivement... nous demander comment, parce que Mabika Kala nous avait dit, il faut étudier comment on change la mentalité. Si vous continuez à occulter cette question, vous ne vous en sortirez jamais. Vous devez vous demander, mais qu'est-ce qui peut nous pousser maintenant à ne plus avoir tel réflexe, telle réaction face à telle situation? Comme ça, on déconstruit tout ce qui a été mis là en place pour nous pousser à être toujours là, hein, d'abord... La tribalisation du pouvoir. Ça, c'est manifestement un truc qui nous met en difficulté. Parce qu'aussi longtemps qu'on va continuer à parler de ça en termes de tribu, on n'arrivera jamais à construire la nation que nous devons construire. Donc la République va rester seulement un mot, sans contenu. Parce que le citoyen qui doit... montrer ses dents, montrer que non, maintenant il sait que c'est lui le propriétaire de ce pays. Et que désormais, vous qui êtes aux commandes, vous devez vous sentir constamment en insécurité parce qu'il va vous scier les côtes tout le temps pour vous dire, mais par rapport à ce qui devait être fait, je vois que vous êtes loin de ça. Donc je ne peux pas supporter que vous continuiez à jouer avec nous comme ça. Alors, quand vous savez que vous aurez affaire à une telle armée de citoyens, déjà vous allez avoir peur d'y aller, chercher à les diriger. Parce que c'est cette mentalité-là de développement qui va pousser à ce que ceux qui s'amusent aujourd'hui veulent être députés, veulent être ceci. C'est parce que justement ils sentent que derrière il n'y a rien. Mais le jour où il va sentir que aller là-bas, d'abord on va me demander, mais toi, l'argent que tu es en train de distribuer, il vient d'où? Et le simple fait de savoir qu'on risque de poser ce genre de questions, sinon je n'ose pas aller m'exposer là-bas. Donc il y a toutes ces choses-là qu'il faut changer, réfléchir à ce que l'homme nouveau de demain, déjà d'aujourd'hui, soit cet homme tellement exigeant que ceux qui cherchent à nous gouverner vont eux-mêmes se regarder et se dire, non, est-ce que je pourrais faire face à ça? Et d'ailleurs, ceux qui nous regardent de l'extérieur... qu'ils changent leur regard vis-à-vis de nous, ils ne le changeront pas gratuitement. C'est un travail intérieur à faire pour que l'image de marque des Congolais que nous sommes puisse évoluer, changer et devenir une belle image. C'est à nous de le faire. Chers amis, je vous donne... le mot de la fin. Oui. Déjà le mot de la fin. Ben oui, tu vois les bonnes choses. Hein. Oui, oui.
je voulais dire ceci, que c'est vrai, l'indépendance de 60, ce n'était pas un cadeau, et ce n'était pas l'indépendance, point. Je pense que je dois faire la comparaison avec ce qui se passe avec les autres pays d'Afrique, je vais parler ailleurs. Il faut dire que ce n'est pas facile d'être le Zaïre, le Congo. Parce que le Congo... Vous avez cité quelqu'un là. Ouais, j'ai cité Mobutu Sese Seko. Il n'est pas facile d'être là. Parce que quand on regarde la position géostratégique du Congo en Afrique, quand on regarde les richesses dont les richesses naturelles dont regorge le Congo, on ne lui a pas donné l'indépendance et le Congo n'est jamais resté indépendant. Mais derrière, il y a toutes les puissances extérieures, étatiques ou simplement des puissances de la haute finance, de l'argent, qui sont derrière et qui recrutent non seulement des voisins pour sous-traiter la domination, mais recrute aussi les enfants congolais pour elle. Et donc, il faut être conscient de ça. Et ça, peut-être qu'il n'y a pas quelqu'un, qui, il n'y a pas une organisation d'une révolution extérieure, extérieure comme ça, mais moi je trouve qu'il y a quelque chose d'autre qui est dans notre... dans la sève même de la culture congolaise, dans la culture bantoue, c'est la recomposition qualitative inattendue. C'est-à-dire que ça travaille pour réagir. Ça travaille pour réagir. Et on est au courant, ça fait 60 ans quand même. C'est pas si facile que ça. Et je vous assure, quand par exemple j'étais à Matadi et que l'AFDL est arrivé, mais l'AFDL avait un plan de travail un peu de temps, 15 ans. C'était 15 ans, 10-15 ans, tout était terminé. Mais nous sommes au-delà de 20 ans maintenant. Donc, pour montrer qu'il y a des difficultés, malgré toutes les intelligences, les études qui sont faites dans les cabinets, malgré des moyens colossaux, l'argent versé, malgré le recrutement et à l'extérieur, et à l'intérieur, tout ça. Mais là-dedans, il y a une recomposition qualitative inattendue qui réagit. Je vais vous donner un petit exemple pour ici. Une minute. Oui, une minute. On parlait souvent de jouisseurs, ouais, parmi les stigmatisations, nous avons cité les jouisseurs, les gens inconscients, des trucs comme ça. Mais je veux vous dire que, ici, d'abord, nous sommes un pays rare où nous avons plus de 450 tribus. Mais la Belgique, il n'y a que les Flamands, les Wallons, je ne sais pas quoi. Et la France n'a pas autant de nationalités. Ce sont des nationalités, au fait. Plus de 450 nationalités. Oui, ça nous sert à quoi? Mais ça sert. Mais nous restons un pays uni. Et tout le monde cherche l'unité. Regarde, je peux donner des exemples, je ne connais pas, mais il faut être chercheur. Dans 30 sens, secondes. Un exemple de la guerre entre le Luba et le Lua, ou la guerre entre le Bunda et le Pende. Mais jamais... Bangala, Bakung. Oui, ça n'a jamais abouti à un génocide où l'on reste coupé pour toujours, on ne se remet plus ensemble. Et ça... Alors que c'est un ciment important. Ça a mis des décennies pour que l'Allemagne et la Belgique, la France puissent se mettre ensemble. Ça a mis des années. Alors c'est pour dire ceci, que ici il y a quelque chose d'autre qui vient de gènes de la culture bantoue. Voilà. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'est vrai que le regard des autres nous a servi à parler de nous-mêmes, de la gestion de ce pays et surtout de l'unité nationale. C'est important. Parler politique,
n'est pas facile, mais surtout être tenté par la fibre, seulement par la fibre tribale, je crois que c'est une perte de temps parce que ce pays restera uni, on ne le divisera. Les Belges n'ont pas réussi. Celui qui le divisera n'est sans doute pas encore né. Bonsoir et au prochain numéro.